Alors tu travailles pour Fabrice Soulois, c'est ça? Tu fais les pistes? Voilà. Travaille. C'est un bon patron, ça va? Pas de problème. Non, mais bon, c'est agréable de faire ces pistes au moins. S'il y a quelque chose à se reprocher, on se reproche à soi-même. C'est au moins, on est sûr qu'on a des pistes en bon état. C'est important pour toi la qualité de tes pistes? Bah ouais, c'est déjà... Si vous entraînez des chevaux sur les pistes de et tout ça, c'est pas ce qu'il y a mieux. Hein. On essaye de faire les choses bien. Hein. Donc voilà, tous les matins, on a deux métiers. Hein. Faiseur de piste et entraîneur. Voilà. Tu veux qu'on le laisse dans le box ou tu veux que je te le sorte? Oui, vas-y, c'est bien comme ça. Pas de problème. La parole est à l'accusé. Hein. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Kino? Bah, dis-moi ce que tu as pensé de ces dernières courses, comment tu abordes ce jour. C'était bien. Le critère de vitesse à Argentan, c'était bien. Il gagnait. C'était une surprise pour toi ou pas? Bah, une surprise, oui. Non, je pensais qu'il allait bien courir parce que le cheval était pas mal. Mais bon, de là à gagner, il y avait envoyé du Lupin, il y avait des bons chevaux. Il y a eu un super parcours. Le cheval a fait une bonne ligne droite. À 10 ans, il a des beaux restes. Oui. Donc voilà, et puis après, une course un petit peu décevante au Duc des Normandies. Je l'avais un peu trop travaillé, à mon avis. Donc le cheval était un petit peu émoussé, un petit peu moins bien. Et l'autre jour, à Vincennes, c'était vraiment bien. Il bat son record, il marche 12,5, 2007. Il a fait une bonne course, il est parti au galop. Et après, il a fait une bonne ligne droite. Le cheval est quatrième, très très bien. Il est battu par Hulan Duval, le Rêve de Bélève. Et... Non, le cheval faisait une très très bonne performance. Il a l'air d'être pas mal. Donc voilà, c'est... Maintenant, c'est du bonus. Hein. Il a fait une bonne année. Hein. Donc voilà, je pense qu'il devrait courir bien dans les dernières parce que c'est un cheval qui en place sur sa distance. 2100 Autostar, partir en descendant, c'est un cheval qui croise beaucoup. Il ne devrait pas être trop mal. Maintenant, avec lui, on ne court pas pour gagner, on court pour prendre des petites places. Les places sont bonnes dans ces courses-là. Donc voilà, il nous fait plaisir. Il ne s'est pas un petit peu creusé quand même, ce René Balière, à tes yeux? On s'attendait, avec tous les bons chevaux sont partis un peu à l'étranger là, non? Voilà, ouais, mais bon, vous savez, René Balière, ça reste toujours quand même une grande course. Hein, on croit toujours que ça se creuse, et puis en fait, il y a toujours des bons chevaux, donc voilà. Je pense qu'il peut être dans, si t'es dans les 5 premiers, on serait content. Quoi. Voilà. En valeur par rapport à un mec? Ah, c'est pas les mêmes chevaux. C'est deux chevaux différents, il y en a un qui a 6 ans, il y en a un qui a 10 ans. Puis, il a fait des belles courses aussi, hein. Mais bon, il y en a un qui est en pleine force de l'âge, et puis lui il a des années, mais bon, il a quand même de bons restes. À Argentan, c'était vraiment bien. Donc. Il court plus pour des places, un mec court plus pour la gagne, quoi. Mais bon. Il nous fait plaisir. Voilà. À bientôt. Wow.